Un quartier en ruine à Alep et des dizaines de morts. Bilan effrayant du bombardement ce week-end mené par les avions de l'armée régulière syrienne. Selon les témoins, ce sont des barils d'explosifs remplis de TNT, moins chers et moins précis que des missiles, qui ont été largués. Quelques 80 personnes ont été tuées, dont une trentaine d'enfants, dans un raid aérien sans précédent. Est-ce que vous avez de l'équipement pour aider les gens? Demande le journaliste. Non, on n'a pas d'équipement. On a tout fait avec les mains, dit ce secouriste. Les barils d'explosifs ont touché des quartiers tenus par des rebelles. Depuis plusieurs semaines, l'armée a repris le contrôle de plusieurs de leurs bastions dans les provinces d'Alep et de Damas. La survie reste la principale bataille pour les Syriens. Le prix du pain a augmenté de plus de 500% en 2 ans.